Oh, voilà Skyrim! Salut, c'est Jocus. On se retrouve après une longue absence due à Fallout 4. Faut dire ce qui est, j'ai totalement craqué. J'ai pas réussi à en décoller pendant un mois et demi. Mais là, ça y est, je reviens et j'enregistre Skyrim. J'ai déjà beaucoup joué. Un peu trop, peut-être même. Donc, je vais essayer d'y jouer différemment pour essayer de découvrir le jeu différemment avec vous. Je vais essayer de m'imposer certaines contraintes. Déjà, ça sera un run en difficulté maximale. Si ça passe, parce que j'ai souvenir d'avoir essayé de commencer une sauvegarde en difficulté maximale et je n'arrivais pas à tuer le premier ennemi. Donc, je devais sûrement m'y prendre très mal. Donc je vois pas pourquoi implémenter une difficulté qui n'est pas jouable dès le départ. Donc, on n'a pas accès aux options aussi, de base. Ok, bon, on verra ça une fois qu'on aura lancé la partie. Donc, j'ai déjà fini le jeu deux ou trois fois. Je le connaissais bien. Je vais essayer de me lancer dans un perso que j'ai jamais fait. Je vais essayer de me lancer dans une carrière de magicien. J'ai jamais joué à un magicien depuis que je joue Elder Scrolls. J'y joue depuis Morrowind. J'ai toujours fait des persos toujours assez similaires, combat une main, bouclier, armure légère ou lourde, mais jamais de magicien, donc ça sera une première. Le jeu est pas mal modé. J'essaierai d'expliquer au fur et à mesure ce que j'ai mis comme mode, ou je ferai peut-être des vidéos à part pour montrer les modes que j'utilise. Le premier qui va vous sauter aux yeux, c'est bien sûr le Sky UI, qui est absolument obligatoire si on veut jouer sur PC, parce que l'interface console est à chier. Donc, sans plus attendre, lançons-nous dans cette petite intro qui sera... Ça sera assez court, hein, ça, je vais... Cet épisode ira jusqu'à la création de perso environ. Création que je ne montrerai pas vu que je n'ai pas envie que ça dure trois plombes. Mais trêve de bavardage et allons-y. Nouveau. Lancer une nouvelle partie. Oui. Bethesda Game Studios presents Quatre mecs dans une carriole. The Elder Scrolls V Skyrim. C'est que du bonheur. Ah là là, ça fait du bien de revenir. Tiens, vous avez fini par vous réveiller. Vous avez essayé de traverser la frontière, pas vrai? Et vous avez foncé tête baissée dans une embuscade des impériaux. Tout comme nous, les voleurs là. Maudit sauvage. Bord de ciel allait parfaitement bien avant votre arrivée. L'Empire était calme et nonchalant. Si la Légion n'avait pas été à votre recherche, j'aurais pu voler ce cheval, et je serais déjà arrivé à l'enclume. Vous, là-bas, vous et moi, nous ne devrions pas être ici. Ce sont ces sombrages que l'Empire veut. Nous sommes tous des frères et sœurs liés. Silence derrière! J'ai rien dit, moi. Il est là. Un peu de respect. Vous parlez à Ulfric Sombrage, le vrai haut roi. Ulfric? Le Jarl de Vendôme. C'est vous qui menez la rébellion. Puisque vous vous êtes fait prendre, par les dieux, nous emmène-t-il? Aucune importance. Sauvengard est au bout du chemin. Non, c'est impossible. C'est impossible. Hé, hey, de quel village venez-vous? En quoi ça vous intéresse? Les dernières pensées d'un nordique devraient aller vers son foyer. Rorikbourg. Je suis de Rorikbourg. Donc il y a certains sous-titres en anglais. Chef, le bourreau attend. Bien, dépêchons-nous d'en finir. Dû à certains patchs non officiels. Mais vaut toujours mieux quelques sous-titres en anglais. Regardez, que des bugs punitifs. Qui vont nous amputer certaines quêtes.
Oh, charmant petit village. Bien, nous voilà donc à Elgen. J'ai courtisé une fille autrefois. Je me demande si Vilod met toujours des genièvres dans son hydromel. Des genièvres ? C'est amusant. Quand j'étais petit, les remparts et les tours des impériaux me donnaient un sentiment de sécurité. C'est l'agence touriste. Pourquoi ? Je veux voir les soldats, moi ! À l'intérieur, immédiatement. Donc bien sûr, comme d'habitude, on commence en tant que prisonnier. Pourquoi nous arrêtons-nous ? À votre avis, c'est la fin du voyage. Une grande constante des Elder Scrolls. Allons-y, ne faisons pas attendre les dieux. Non, attendez ! Nous ne sommes pas des rebelles. Affrontez la mort avec courage, voleur. Vous devez leur dire. On n'était pas avec vous. Là. C'est une erreur. Ah, je me disais bien, j'étais grand. L'Empire adore ces satanistes. Ulfric Sombrage, Jarl de Vendôme. Ce fut un honneur, Jarl Ulfric. Ulfric. Ralof de Rivebois. Ouais, c'est toi. Allez. Ah non, merde, c'est pas lui. Lokir de Rorikbou. Non, je ne suis pas un rebelle. Vous n'avez pas le droit. Alte allez, là. Cours. Vous n'arriverez pas à me tuer. Cours en zigzag, au moins. Quelqu'un d'autre a envie de s'en... Ouais, voilà. Non, pas moi. Vous, là, avancez. Oui. Plaît-il ? Qui êtes-vous ? Je suis un touriste. Ah ! Je suis lui. Ok, donc je vais pas vous imposer la création de perso qui s'annonce absolument d'une longueur indéterminable. Cette phrase n'a pas vraiment de sens. Et on se retrouve pour le premier vrai épisode une fois que j'aurai passé 3 jours à modeler le personnage. Donc en attendant, je vous laisse et on se retrouve dans le prochain épisode de Skyrim qui sera le premier épisode d'une peut-être longue aventure. Allez, à plus !